Salut salut et bienvenue sur Scraps Mechanics. C'est un truc de fou, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous voyez cette fusée là par exemple? C'est un truc de fou hein? Eh ben c'est pas moi qui l'a construit. Donc Scrap Mechanic, petit jeu sorti hier, le 20 janvier. Le jeu n'est pas gratuit, il est payant, il coûte une vingtaine d'euros. Et en fait c'est un jeu sandbox, un peu à la Minecraft, un peu comme tous ces jeux sandbox quoi. Donc pas encore de mode survie sur le jeu, c'est que du créatif pour l'instant. Et vous allez voir, franchement, je vais vous montrer l'inventaire déjà. Ça c'est tout ce qu'on a à portée de main dans l'inventaire. Donc on a bien sûr des objets de déco, on a bien sûr d'autres objets plus pour la construction. Et vous allez voir que franchement ce jeu m'a beaucoup fait penser au Lego Techno. Lego Techno, Lego Technique, je sais plus exactement comment que ça s'appelle. Si je retrouve le nom, je vous mettrai une petite photo. Bref, vous savez ces petits Lego qu'on assemblait, qu'on pouvait mettre des petits moteurs et tout. On pouvait faire des bateaux, des voitures, des avions, des fusées, des maisons. Bref, on pouvait faire absolument tout ce qu'on veut. Et ben là, c'est pareil. La limite qu'a le jeu, c'est notre imagination et notre créativité. Et bien sûr, quand même, vous allez voir notre logique. Parce qu'il faut quand même pas mal réfléchir pour jouer à ce jeu. Alors là, par exemple, vous allez voir que je vais construire une petite maison. C'est pour vous expliquer le principe. Donc là, j'ai mis mon petit ascenseur. C'est ce qui va me permettre de séparer les blocs du sol, parce que vous allez voir qu'il y a un petit peu de mécanique à faire. C'est pas pour rien que ça s'appelle Scrap Mécanique. Bref, j'ai posé mon petit bloc impeccable. Je vais le défaire, impeccable. Voilà, je vais en mettre un. On va se poser une petite dalle comme ça, hop, tac. Alors là, c'est vraiment histoire de vous montrer les bases. Voilà, là, on va se faire une petite cabane, tout tranquillement. Mais il y a moyen de se construire des châteaux de Versailles. Des trucs de malade. Vous allez voir. Alors, bien sûr, le jeu va beaucoup faire appel à votre logique et votre créativité. C'est un petit peu le but. Donc, vous allez voir, par exemple, là, je vais prendre mon petit roulement. Tac, que je vais mettre là. Alors ça, c'est un peu pour faire la connexion. C'est des genres de rotules. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça va rentrer tout seul. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre quand je vais le faire. Là, je vais commencer à partir de ma rotule pour connecter ce que je vais y connecter. Hop, tac, impeccable. Tac, là, c'est pareil. Alors, par contre, faut toujours faire gaffe de partir de la connexion de la rotule. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, j'en ai mis un trop long. J'en ai même mis deux trop longs. Hop, impeccable. Je vais le descendre un peu, voir qu'est-ce que ça donne. Hop, tac. Ok, ça m'a l'air plutôt sympatoche tout ça. Tac. Merde, j'ai fait une rangée en trop. Ok, tac. Alors oui, très certainement, comme vous le savez, moi j'aime bien changer de jeu, hein. Je joue un petit peu à tout sur la chaîne. Et ben là, c'est l'occasion de vous montrer celui-là. Il vient de sortir, il est tout beau, il est tout neuf. C'est impeccable. Donc là, j'ai pris un moteur électrique. C'est pour vous montrer un petit peu le bazar. On a moteur électrique et on a moteur à essence aussi. Là, j'ai pris un petit moteur électrique. Par exemple, le moteur électrique. Voilà. Je vais le poser ici, comme ceci. Il est plutôt pas mal. On va faire genre une petite table dessus. Impeccable. On va prendre un ordinateur comme ça. Alors vous allez voir, on a besoin de l'ordinateur comme ça. On va avoir besoin d'un interrupteur. Vous allez comprendre. Regardez. Là, je vais poser l'ordinateur. Tac, impeccable. Ça c'est bon. Il est pas du tout centré. C'est pas grave, ça fera l'affaire. On va mettre l'interrupteur à côté. Hop, tac. Alors ça, c'est mon connecteur. Vous voyez, c'est là qu'on va en venir à toute la complexité du jeu. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai posé mon petit roulement, qui est en bleu, juste ici. En orange, nous avons le moteur. En rose, nous avons l'interrupteur. En violet, nous avons l'ordinateur. Ce qu'il va falloir, c'est que je vous explique. C'est là encore qu'on en vient à cette idée de Lego Techno, que je vous expliquais tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'en avoir des Lego comme ça. Ma mère, elle m'a acheté tout le temps des boîtes de Lego normales, quoi. Bref, ceci étant dit, on va connecter le moteur à l'interrupteur. En fait, le moteur va alimenter l'interrupteur. L'interrupteur va alimenter l'ordinateur. L'ordinateur va donner l'ordre à la rotule. Vous me suivez? Je suis sûr que j'en ai perdu la moitié d'entre vous, ils sont tous largués les mecs. C'est normal, moi aussi j'étais largué au début. Regardez, vous allez voir. Ça, on va changer la rotation. Parce qu'on veut pas qu'il rotationne dans ce sens-là, sinon ça va être la merde. On veut qu'il rotationne dans ce sens-là. Voilà, vous allez voir. Alors là, par exemple, hop, on va aller à l'ordinateur. Donc c'est l'ordinateur qui donne l'ordre hein, à la rotule. On veut, par exemple, que celui-ci tourne à 90 degrés. Dans le sens qu'on lui a dit de rotationner. Après, on peut faire plusieurs séquences, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs paliers de pliage sur nos machins. Vous allez voir, c'est vrai que je m'explique pas très bien non plus. Mais vous allez comprendre. Voilà. On va enlever notre machin, notre ascenseur. Sinon, ça va faire un putain de bug. Voilà. Là, par exemple... Ah, j'aurais dû faire des pieds pour ma maison. C'est pas grave, vous allez comprendre. Là, par exemple, si j'appuie sur l'interrupteur... Ah ! Vous voyez ce que je veux dire ?
Après, je peux le faire bien sûr plus vite ou plus lent. Par exemple, on va le faire plus lent. Pour bien que vous compreniez. Regardez, si j'appuie. C'est pour la maison de retour vers le futur, ça? Ou Transformers, comme tu veux. Regardez. Alors là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le remettre sur l'ascenseur. Voilà, pour le remettre sur l'ascenseur, vous avez juste à sélectionner votre ascenseur. Vous cliquez sur votre construction qui a déjà été posée au préalable sur l'ascenseur. Et après, vous la remettez où vous voulez. Regardez. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire, c'est des pieds pour la maison. Bah ouais, forcément, parce que du coup, quand on la pose par terre, c'est un peu la merde. J'ai envie de dire. Donc, on va faire ça. On va les faire comme ça, c'est suffisant. Hop, ça, hop, ok, tac. Ouais, comme ça, c'est largement suffisant. En tout cas, franchement, moi, je vous dis, les gars, j'adore ce jeu. C'est juste excellent. Et puis, graphiquement, il est franchement pas dégueulasse. Je vous dis, hein, il vient tout juste de sortir. Et franchement, depuis hier, j'arrête pas d'y jouer. J'arrête pas. J'ai déjà fait des constructions de malades. Mais bien sûr, avant de vous montrer toutes ces constructions de malades, je voulais vous montrer les bases, déjà, pour commencer. Regardez. Donc, vous avez vu, j'ai fait un mur. Déjà sur notre petite cabane. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va dupliquer ce mur en 4. On va le dupliquer. Tout simplement, on va refaire la même chose à côté. Voilà, on va le prendre. Par exemple, là, on va poser un bloc. Tac. Et ce jeu, je vous dis, il est vraiment super addictif. Je suis sûr qu'une fois que vous l'aurez essayé, vous allez plus vous arrêter. Franchement, c'est super addictif. Enfin, moi, j'adore. Je vous dis, hein, la limite, c'est vraiment votre imagination. Jusqu'ici, impeccable. On va le baisser un peu. C'est vraiment comme de la mécanique, hein, les gars. Hein. Le mécano du dimanche, quoi. Pareil. Ça, c'est bon. Ok. Ok. Tac. On va faire pareil de l'autre côté. Donc, vous allez voir. Hein, je vais faire pareil. Je vais faire ce mur-là et ce mur-là. Je vais faire la même chose des deux côtés. Voilà, impeccable. Donc, comme vous le voyez, j'ai installé les quatre murs. Ben, des quatre côtés, tout simplement. Donc, on va descendre notre ascenseur. On va même le retirer. Pour le retirer, rien de plus simple. Vous le prenez dans votre inventaire et vous cliquez n'importe où. Et j'ai fait une connerie. Ouais, j'ai fait une connerie. Vous voyez que là, par exemple, c'est pas relié au bon endroit. Donc, pour vous montrer la connerie que j'ai fait, je vais relier tout ça à l'ordinateur. Donc, tac, là, toujours le même principe. Hein, on relie les rotules à l'ordinateur. On va leur donner l'ordre d'aller à 90 degrés. Hop, tac. Impeccable. On va les faire rotationner, bien sûr, dans le bon sens. Tac, ouais, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Et comme ça, c'est bon. Alors là, si j'appuie, normalement, ça devrait être la merde. Effectivement, c'est bien ce qui me semblait. C'est la merde. Donc, alors oui, c'est la merde, donc pas de panique. On va tout de suite remédier à toute cette merde. C'est tout simplement que j'ai pas relié les bons blocs. Donc ça, tac, hop, voilà. Si je fais ça, ça devrait le faire. Faut vraiment que ce soit relié à la petite rotule, comme je vous ai dit. Putain, je suis con, moi. Comment je fais maintenant pour rentrer? Ah oui, bah comme ça. Voilà, voilà, voyez. Là, ça pose moins de soucis. On va faire la même chose ici. Impeccable. Par contre, je sais pas si c'est normal. Ça doit pas être normal, mais j'ai comme l'impression que je suis en train de pencher. Juste une impression. Effectivement, je suis en train de pencher. Donc, là, écoutez, bah, c'est pas trop mal. J'ai envie de dire. Par contre, juste, il y a un truc qui va pas. C'est qu'on est bel et bien en train de pencher. Je vais voir ce qui va pas. J'ai dû oublier des pieds sur la maison. Je vais mettre l'ascenseur. Merde. Vas-y, toi. Viens là. Je vais essayer d'agrandir les pieds de la maison. Voilà, on va faire des plus grands supports. Impeccable, donc là il y a des plus grands supports. Alors aussi bien sûr, quand je suis parti sur une session de jeu, moi les gars, je suis parti pour jouer je sais pas combien de temps, hein. Je suis parti pour jouer un bon bout de temps. Donc comme à l'habitude, cette partie sera certainement coupée en plusieurs petites parties. C'est à dire que un coup on va monter une maison, un autre coup on va monter une fusée nucléaire, un autre coup on va monter une voiture de malade. Voilà, on va essayer de faire des constructions de malade. Ah bah voilà. Voilà. Là d'accord, alors qu'est-ce que ça dit? Ah bah oui, regardez ça. Hein? C'est pas beautiful tout ça? Alors, voilà, impeccable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une porte pour commencer. Ça c'est pas mal. Regardez, je vais vous montrer un petit peu les capacités techniques du truc. Hop. Par exemple, tiens, on va prendre ces blocs là, c'est bien stylé. Là. Impeccable. Alors, c'est pas stylé comme ça? Hein? Un petit peu, j'ai envie de dire.
Tiens, et puis pour un peu plus de style, on va prendre également ces blocs-là. Disons que ça, ce sera pour faire la porte. Regardez, on va faire un système. On va mettre deux joints comme ça. Hop, tac. Ouais. Ce sera pas exactement comme je veux, mais c'est pas grave. On va faire un système comme ça. Voilà, on va reprendre ces blocs-là. On va faire un truc comme ça au milieu. Tac. Hop. Ça fait un petit peu sas de décompression et tout. Moi j'aime bien, c'est plutôt stylé les gars, franchement. Tac. On va donner l'ordre. On va leur donner l'ordre de partir à 90. Tac. Voilà. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de trucs connectés. Hein. Franchement, là, déjà rien que là, ça commence à être le bordel. Je sais pas si vous voyez le truc. Regardez. Regardez. C'est stylé, hein. Bon, attends. Lui, on va lui dire de partir dans l'autre sens. Hop, tac. Impeccable, regardez ça. Bon, là, ça va pas vite, mais c'est pour que vous voyez. Hein? Impeccable, regardez. Je peux même pas sortir. C'est cool, non? Bon, là, c'est vraiment parce que, au pire, je vais enlever celle-là. J'aurais pu la faire un peu plus grande, la porte. Vous me direz. Mais là, c'est con parce que, du coup... Merde, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Bah, ça y est. Il y a tout qui se pète la gueule. Ah, bah non, c'est pas mal, regardez. Franchement, ça commence à être stylé. Hein? Ça a pas de la gueule comme ça? C'est pas la maison à Transformers. Tiens, regardez. On va faire une fenêtre. Par exemple. Par contre, j'ai l'impression que des fois, ça penche. Je sais pas pourquoi. Ah oui, effectivement, ouais. Effectivement, il y a un souci, là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est la merde. On va prendre ça. Oh putain! Alors oui, il y a un petit bug de son. Ça, c'est un bug de son sur le jeu, hein. Ça arrive des fois. Ça arrive souvent. Quand on laisse l'ascenseur en dessous. Voilà, ça va se couper, impeccable. Et le jeu n'est pas encore bien bien stable. Il vient tout juste de sortir. Donc là, par exemple, j'étais parti pour faire une fenêtre, les gars. On va faire des volets. Si je fais des volets comme ça. Tac, hop, tac. On va les mettre comme ça. Tac, on les met comme ça, impeccable. Là, on relie ça à l'ordinateur. Tac. On va leur dire pareil, hein, 90 degrés. Hop, 90 degrés, impeccable. Lui, on va le faire rotationner dans l'autre sens. Après, vous voyez, je peux choisir que ça va plus ou moins vite. Si je le mets à fond, si je le mets à fond, ça donne ça, les gars. Ça va vachement vite là. Vous voyez ce que je veux dire? Oh putain, le bordel! On va le ralentir un petit peu. On va le mettre genre comme ça, tac. Et là, c'est plutôt pas mal. Là, ça fait bien Transformers. J'aime bien, franchement. Il y a un truc qui me plaisait pas tout à l'heure. C'est les supports de la maison. Attendez, je vais voir ce qui va pas. Je vais le mettre en slow. Je vais appuyer dessus. On va voir ce que ça donne. Ah, ok, d'accord. Ok, je vois ce qui va pas, les gars. J'ai compris ce qui n'allait pas. Merde. Ok, ce qui va pas, c'est que au niveau de la porte, ces blocs-là sont raccordés. Alors attendez, on va faire comme ça. Hop, voilà, on va enlever tout simplement les pieds. Impeccable, ça comme ça. Comme ça, je pense que devrait plus y avoir de problème. Ça, on coupe. Impeccable. Voilà. Et vous voyez que ça gère, par exemple, le poids des trucs et tout. Hein. C'est quand même vachement stylé, les gars. C'est un truc de fou. Donc du coup je vais mettre les pieds de la baraque. Voilà, je vais en faire comme ça. Voilà, est-ce que ce serait pas trop mal comme ça? On va la faire descendre vitesse grand V. Impeccable. Alors qu'est-ce que ça dit là? Ouais, yes, bah ouais, bien sûr que c'est mieux. Voilà, vous voyez, j'avais mal connecté. Bon, j'ai toujours mal connecté, mais c'est pas grave, c'est pour vous montrer un petit peu le principe. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le principe du jeu. Ça, on va dégager ça. Je sais pas ce que ça fout là. Et je peux vous dire que les gars, franchement, ça, c'est que dalle. C'est un truc de merde. Vous pouvez vraiment faire des trucs, mais ultra stylés. Je vous dis, hein, la limite du jeu, c'est votre créativité, les gars. Vous pouvez faire des trucs de malade. Par exemple, cette maison, si je veux, je peux la faire décoller. Vous voyez, je peux la faire rouler, je peux la faire voler, Je peux faire plein de trucs avec cette maison. C'est un truc de fou. Bah tiens, regardez. Et bah on va la faire rouler. Tiens. Regardez, par exemple, on va faire rouler la baraque. Je veux que la baraque roule. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer des joints là. Vous allez voir, ça va être un truc de malade mental, les gars. Bah tiens, on va se prendre des petites suspensions. Tranquillement. On va se les mettre. Déjà, on va mettre des blocs. Hop, impeccable.
Impeccable. On va mettre des suspensions. On va faire pareil à l'arrière, mais à l'arrière, on va pas mettre de joints parce que les joints, vous allez voir qu'en fait, c'est pour la direction. Je veux juste qu'il y ait les roues à l'avant qui tournent. Tac, impeccable. Ça, impeccable. Hop. Vous allez voir, ça va être un truc de malade. Ça va être un truc de ouf. Ça, tac. Ça, impeccable. Maintenant, on va poser les quatre roues. Hop. 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 Alors, les roues, on va prendre ces roues-là, par exemple. Impeccable. Pour vous dire que les gars, je m'y connais, moi, en mécanique. Regardez ça. C'est un truc de malade. J'ai fait un an de mécanique en plus, c'est vrai, j'ai travaillé dans un garage. Alors, ça, c'est bon. C'est pas trop mal. Vous voyez ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire descendre bien gentiment. Voilà. Tranquillement. Par contre, j'arrive plus à monter dans ma bagnole. Ouais, je vais faire comme ça, tiens. Impeccable. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que ça donne ? On va la faire monter tranquillement. Ah, c'est la merde, là. Là, c'est la merde. Là, j'ai l'impression que c'est la merde. J'avais comme l'impression d'avoir fait de la merde. Je me suis pas trompé. Bah, ça arrive, hein. Ça arrive. On peut faire de la merde dans le jeu. On peut faire beaucoup de merde. C'est complètement la merde de chez la merde. Ça y est, j'arrive même plus à rentrer chez moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir péter la porte. Bah même en pétant la porte, j'arrive même pas à rentrer. Impeccable. Donc oui, effectivement, il y a un souci. Bon, disons que c'est pas grave, ça fera l'affaire. C'est vrai que j'ai merdé au niveau des connectiques, là. Mais je vous dis, je suis encore un noob sur le jeu, hein. Je suis débutant. Après, si le jeu vous intéresse, et franchement, il est super intéressant, je vous conseille d'essayer, vous verrez que c'est pas si évident que ça. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. On va partir avec la baraque, là. On va déménager. Ça va être vachement intéressant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le siège ici. Et vous voyez que ça prend en compte le poids, puisque quand je mets le siège, le truc il se baisse. On va mettre un moteur à essence cette fois-ci. On va le mettre ici, c'est plus le moteur électrique. On va connecter ça. C'est la direction. Hop. Voilà, normalement quand je devrais monter, les roues devraient tourner. Bon, par contre, vous voyez que c'est la merde, ça tourne pas dans le bon sens. On va juste changer la rotation. C'est vraiment... Hop, on va changer ça comme ça. Impeccable, putain, je suis bloqué. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Mon ascenseur. Putain, il me faut carrément un ascenseur pour grimper chez moi, quoi. Après, si je veux, je peux faire des petits systèmes d'escalier et tout, hein. Trop stylé, hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va connecter... Voilà, on va connecter les roues au moteur. Hop. Tac. Vous voyez que là, au niveau des connectiques, ça devient le bordel. Et encore, je peux vous dire, les gars, ça, c'est rien du tout. C'est du pipi de chat. Franchement, j'ai fait le truc de malade. Il y avait des trucs, c'était la baraque à Transformers, les gars. Là, je vous montre les bases. C'est-à-dire, c'est le basique, quoi. C'est vraiment, c'est très basique, hein, ce que je vous montre là. Hein. On peut faire des trucs beaucoup, beaucoup plus complexes. Ce que je vais faire, c'est quoi? Regardez, si j'allume le moteur là, normalement, ça devrait s'emballer. Oh putain, oui, ça s'emballe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier le moteur au siège. Et maintenant, on va mettre le moteur, on va le mettre à fond les ballons. Vas-y. Et maintenant, ça devrait s'allumer uniquement quand je monte sur le siège. Oh putain, oh putain, ok. Ok, je sais ce qui va pas. Toutes les roues ne tournent pas dans le bon sens. Ok, ça va vers l'avant, ça va vers l'avant. C'est cool, voilà, ça va pas dans le bon sens. Voilà, ça va pas dans le bon sens. Impeccable. On va reprendre mon ascenseur. Je vais remonter chez moi. Hop, impeccable. Ça devrait être pas trop mal. Putain, merde, il y a l'ascenseur. Merde, j'avais pas vu. Je vais faire une petite marche arrière tranquille. Marche arrière tranquille au calme. Vous inquiétez pas, je contrôle. Je contrôle la situation. Faudrait du poil arrière par contre. Allez, c'est parti. Let's go. Regardez, on déménage. Regardez comment qu'on déménage. Voilà. Et on peut déménager comme ça. Et franchement, ça c'est vachement sympa, les gars. Bon, là par contre, je trouve qu'on se traîne un petit peu. Ça va pas non plus super vite. Voilà, regardez.
Et là, si je mets des réacteurs, je peux m'envoler avec la maison. Hein. Si je mets des réacteurs en dessous, on s'envole les gars avec la maison. C'est un truc de malade. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Merde. Oh, attendez, on va faire une petite marche arrière, tranquillement. Voilà, petite marche avant. Merde, on est coincé. Non, c'est bon. C'est bon. Regardez, je gère. Merde, je crois que je suis coincé là. Merde, putain, un bug, d'accord. Je me suis coincé dans un arbre, les gars. On va le remettre. Vas-y, viens ici. On va essayer de piloter en mode maison fermée. C'est-à-dire, je vais fermer la maison. Alors, comment qu'on ferme la maison, déjà? Voilà, ça, ok. Ensuite, tac. On va fermer tout ça. Ah oui, c'est vrai, effectivement. Ah oui, merde. Ça, par contre, je n'avais pas pensé à ça, les gars. Ah bah ça marche quand même, regardez. Ah bah merde. Ok, bon bah ça marche quand même, regardez. Par contre, ah oui, effectivement, on a un petit souci à l'arrière. On a un petit souci de roue à l'arrière. Hein, regardez. Hein, alors. Hein, mais pour belle ma baraque. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe? Hein, alors. Et bah voilà. Hein. Putain, on est dans la merde là. Merde. Attends, on va essayer d'appuyer sur l'interrupteur. Ok, d'accord. On va certainement se faire écraser. Oh putain, j'ai tout fait bugger, les gars. Je vais sortir de là. Bon. Et ben voilà. Voilà, vous avez les bases du jeu. C'est Scrap Mécanique. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais complètement détruire ma baraque. Voilà, je vais complètement tout détruire. Et on va s'attaquer à une bagnole. On va faire un truc de malade. On va faire la jolotte mobile, les gars. Ça va être un truc de fou. Je vous l'annonce, ça va être un truc de malade. Mais pour ça, bien sûr, on va se retrouver dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que cette petite série vous plaira. Ça, c'est clair que pour moi, c'est un super jeu. Moi, je vous dis au prochain épisode. Ciao tout le monde. Alors, on va préparer la jolotte mobile en attendant.